pendant ces temps difficiles de confinement et en plus, de manière générale, c'est pour les personnes qui travaillent dans les bureaux. Je suis quelqu'un qui a déjà senti des douleurs, notamment au niveau de mes jambes, donc ici à partir du genou jusqu'en bas. J'ai aussi déjà ressenti des douleurs là en dessous. J'en ai profité pendant le confinement de le commander, mais en fait ça fait longtemps que j'ai envie de le commander. C'est pour les personnes qui travaillent dans les bureaux. C'est, tada, une machine de massage pour les jambes jusqu'aux pieds. Et maintenant, ouvrons la boîte. Je suis désolé, la vidéo, elle bouge beaucoup. Voilà, hop, c'est rien d'autre que ça. Je vais vous montrer comment faire fonctionner ça. C'est pour les genoux, c'est un massage pour les jambes et genoux. Bon bah rien de sorcier, dans une boîte on a la télécommande et dans une autre boîte on a le chargeur. Bon bien sûr qu'on est en 2020, il y a toujours des notices papier, hein, j'ai jamais compris mais bon c'est pas grave, j'essaie de vous faire ça par vidéo. Là sur la notice, que je pense personne va lire, il faut savoir que en fait la batterie elle est inclue dans directement la télécommande, on la voit ici, et c'est l'information la plus importante à savoir. Après, dans ce qu'il y a à savoir, on a ici donc le chargeur à brancher là en dessous. Comme toute première utilisation de quelque chose avec une batterie, bon bah voilà, vous avez juste à le brancher, ça clignote en rouge. Regardez. Bon après, grosso modo, ce qu'il dit, c'est qu'une session, ça dure 15 minutes, ça s'éteint automatiquement, et qu'on peut la refaire une deuxième fois. Dans la journée maximum, c'est 30 minutes, et que ça met à peu près 3 heures à charger. Il dit aussi que ce n'est pas une machine médicale et que ça permet en fait de faire un massage pour se soulager. Après ici, tu as la droite et la gauche qui est donc branchée par deux câbles comme ça, LR. Il faut vraiment faire attention à ça, le sens, c'est super important. Et vous ne pouvez pas l'utiliser, la machine, pendant qu'il charge. Donc lorsqu'il a fini de charger, il s'est éteint. Après, ça dépend du modèle que vous avez. Ça peut être une LED bleue, etc., ou vert. Et là, on arrive au truc le plus important, c'est de le connecter. Donc le L, il va rentrer dans le L qui est en bas avec les encoches ici. Et il faut que, vous voyez là, ça glisse. Il ne faut pas le mettre de ce sens-là, sinon ça ne rentre pas. Donc pour le mettre, je vous conseille d'enlever votre pantalon ou ce que vous avez en dessous. Et ici, en fait, il faut l'attraper et le serrer bien, bien au maximum pour que ça soit collé à la peau, vraiment. Maintenant, je vais démarrer la machine avec le bouton démarrer qui est juste là. Maintenant qu'il est démarré, j'ai même pas besoin de toucher, ça se fait tout seul. Ça gonfle tout seul. Je suis en train de rigoler tout seul. Et en fait, sinon, j'appuie sur Air Pressure pour augmenter la pression. Ou pour changer de mode. Mais même si je clique sur rien, ça se fait tout seul. Donc la deuxième façon de mettre ce masseur de jambes, c'est de le mettre sur les ischios et quadriceps. Comme ça. Parce que moi, par exemple, mes douleurs, elles provenaient de l'extérieur ici. Donc là, au niveau de la jambe. Ici. Jusqu'en bas. C'était vraiment sur le tibia. Et franchement, depuis que j'ai des problèmes de posture et de dos, etc., j'ai mal aux jambes, etc., et ben en fait, j'ai mis ça en dessous. Donc, il y en a un, c'est le coussin de voyage. Donc, je mets une jambe là. Donc là, je suis assis dessus. Voilà, une jambe là, une jambe là. Après, juste au-dessus, je mets un coussin de chaise. Voici le coussin de chaise que je mets par-dessus. Bon, là, avec la vidéo tout seul, j'arrive pas à le faire, mais ça me permet de garder mon dos droit. Et donc d'être dans le trou entre les coussins et la chaise. Du coup, je peux avoir le dos droit sans me faire mal. Sans que ça soit pénible. Et en plus de tout ce que je viens de vous dire, je rajoute le massage. Si vous saviez sur quel nuage je suis. Oh là là.